Parmi les nombreux atouts de notre école, j'en citerai volontiers trois. Tout d'abord, et parce que c'est le fondement même de notre école, nous sommes l'école des entreprises du BTP. Trois preuves. 65% de notre corps enseignant est composé de professionnels du BTP. Sur 5 ans d'études, les élèves accomplissent 12 mois en entreprise. Et enfin, 99% de nos anciens élèves travaillent dans le BTP. Deuxième point fort, à mes yeux, la dimension humaine de notre école. Avec 260 élèves. Cela facilite bien évidemment le dialogue avec les parents, les enseignants et les élèves. Et 260 élèves, ça permet un suivi et un encadrement et bien sûr un travail optimum. Troisième atout que je relève volontiers, c'est le fait que notre formation est un cursus en 5 ans après le bac et que les jeunes qui entrent dans cette école font du BTP dès leur première année. L'école, c'est 260 élèves, mais c'est aussi 1000 anciens élèves diplômés qui travaillent pour 99% d'entre eux dans le bâtiment et les travaux publics. Ils travaillent essentiellement dans les entreprises de construction ou de travaux publics. Ils exercent des fonctions dans les travaux. Ils gèrent les chantiers, c'est-à-dire les hommes, le matériel, les matériaux. Ils gèrent également les études de prix, c'est-à-dire qu'ils cherchent à proposer aux clients le meilleur rapport en qualité et en prix pour leur projet. On trouve aussi des anciens élèves dans la maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit publique ou privée. Publique, essentiellement les collectivités locales, où elles vont gérer les constructions d'aujourd'hui et de demain. En privé, c'est essentiellement chez les promoteurs immobiliers pour assurer le renouvellement des logements. On trouve des anciens élèves aussi dans les bureaux d'études, où ils vont gérer des calculs, gérer les chantiers, suivre les chantiers. Enfin, les élèves se placent également dans les bureaux de contrôle. Le contrôleur technique a pour mission de contrôler les chantiers, de contrôler les plans et de vérifier la bonne exécution des travaux.